connaissez pas le Gondwana, c'est un pays inventé par l'humoriste nigérien Maman pour moquer les travers de la politique en Afrique subsaharienne. Après ses chroniques sur RFI, Maman a donné vie à ce pays imaginaire dans son premier film qui s'appelle Bienvenue au Gondwana, que vous pourrez revoir ou voir sur Canal Plus Cinéma à partir du 18 juin. Alors Nicolas, vous avez fait le voyage. Le Gondwana, c'est évidemment une critique de la France-Afrique. Regardez cet extrait, c'est intéressant parce que vous allez voir, c'est un plan séquence. Au début, on est dans une rédaction. Écoutez ce qu'il dit. Prochaines élections présidentielles. La nouvelle s'est immédiatement répandue dans le pays comme une pluie bienfaitrice en remplissant de joie les cœurs de tous les Gondwanais. La nouvelle s'est répandue comme une pluie bienfaitrice. On a l'impression qu'on est, on pourrait presque être, j'exagère évidemment, dans les hommes du président, on est en plan séquence, on est dans une rédaction, tout ça est très sérieux. Et il y a plein de petits détails qui commencent à dysfonctionner. Vous allez voir cette espèce de pluie bienfaitrice qui s'est répandue sur tout le peuple. Et vous allez regarder la une du journal, tout a l'air très sérieux, sauf les jours, vous voyez, regardez, de jeudi 26 au lundi 29. Il y a effectivement un problème. Mais pourtant, tout est tout à fait sérieux. Et là, d'un seul coup, la réalité revient, bim! Voilà, les militaires arrivent et prennent d'assaut cette rédaction qui est évidemment contre le président fondateur. Et donc, vous voyez, on joue sur cette espèce de registre documentaire humoristique absurde. Et là, regardez la délégation internationale qui vient vérifier les élections. On lui présente les notables. Et écoutez bien ces notables, qu'est-ce qu'ils disent? Président de la Cour des comptes. Ah, il est président de la Cour des comptes. Il n'est pas ce qu'on a dit au départ. Ah, tu entends aussi. Ça fait déjà quelques jours que j'ai changé. Voilà, il a changé et le représentant du gouvernement n'est pas au courant. On en a parlé avec le président au téléphone et il a dit « faites comme vous voulez ». Voilà, et ça fait rire tout le monde parce que, bon, avec le président fondateur, on fait bien ce qu'on veut de la démocratie. Mais écoutez encore. Qui me remplace au Conseil économique et social. Cour des comptes. Je suis plus au Conseil économique et social. Conseil économique et social, attendez. Je suis passé à la présidence du Conseil, supérieur de l'audiovisuel. Et ça, c'est pas des institutions totalement imaginaires. C'est les institutions de quel pays? C'est les institutions de la France. Et Maman, il se moque de qui, là? Il se moque pas de ces démocratures africaines, il se moque de nous. Et c'est la France qu'on retrouve à l'intérieur parce qu'il se moque de ces nominations obscures et du pouvoir et de la structure du pouvoir de l'État. Et c'est vraiment drôle. C'est une vraie bonne comédie à la fois sur les vieux réflexe politique de la France-Afrique parce que c'est un film politique et c'est une comédie où on se bidonne franchement. Bienvenue au Gondwana de Maman, donc à voir ou à revoir sur Canal Plus Cinéma à partir du 18 juin. Je lance, comme on dit dans ce cas-là, un appel.